Ça vous donne la lumière du couloir? Ouais. Salut! On va commencer dans 4-5 minutes. Enfin, on a encore un petit peu de temps. Allez, bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont déjà connectés, vous commencez à faire des petits mouvements déjà, petits mouvements d'épaule, petits mouvements de nuque, petits mouvements de bras pour s'échauffer. On va commencer dans 4-5 minutes, un petit peu moins peut-être. Dites-moi dans le chat là si vous m'entendez bien, en termes de son, pour que j'ajuste la voix en fonction de comment vous m'entendez. Allez, bonjour, salut tout le monde. Dites-moi là dans le chat si vous m'entendez bien en termes de son pour que je puisse ajuster ma voix. Bah on va commencer du coup une petite séance de renfo aujourd'hui, dimanche. Voilà, donc ça va être un petit peu plus cardio que ce qu'on a fait en milieu de semaine dernière, c'est-à-dire mercredi, où c'était un exercice qui était plus qualitatif. Donc là, on va aller chercher un petit peu plus l'aspect cardio. Vous allez voir, bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un peu facile, entre guillemets. Donc,
mercredi, donc pas de problème. Voilà, on va changer un petit peu la donne. Donc là, c'est normalement, ça va être un peu plus cardio et un petit peu plus difficile physiquement, surtout pour ceux qui ont fait une petite séance de course à pied avant, comme moi. Petite séance de seuil, voilà. Donc ceux qui ont fait la séance de seuil avant, je pense que là, vous allez être très très bien et faire une très bonne sieste après le verre de vin rouge de ce midi. Ça va vous emmener jusqu'à un bon 17 heures de sommeil. Là. Voilà. On va commencer. Donc la séance, elle va se découper en trois parties, hein, comme d'habitude. Donc il y aura une première partie d'échauffement. Ça va durer 10 minutes. On ne change pas la routine de d'habitude. On fait 10 minutes. Il y a 10 fois un exercice. D'accord. Donc, enfin, 10 fois 10 exercices. Excusez-moi. Donc ça fait une minute par exercice. On va varier un petit peu tous les exercices pour travailler les bras, les jambes et commencer à faire monter le cardio. Et puis après, on va passer au corps de séance. Donc le corps de séance, il va être très simple. Ça va ressembler à ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a 5 exercices à répéter 5 fois et on fait ça 5 fois. D'accord ? On va être sur un cycle de 40 secondes de répétition d'exercice et 20 secondes de récupération. Vous allez voir que par rapport au 30-30, en fait, ça change tout. En fait, parce qu'on fait plus d'efforts et on récupère moins. Donc, c'est assez fatigant, voilà. Et en plus, là, les exercices vont être un petit peu plus cardio que mercredi. Donc, il va falloir s'adapter à la séance. Et puis, on fera une petite récupération après pour faire revenir un peu le corps et le cœur à un rythme normal. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de boire un petit coup, de mettre le pouce sur la vidéo, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Voilà, abonnez-vous. Il y a pas mal de vidéos. Là, pour l'instant, il n'y a que des lives, en fait. Qui sont publiés. Donc le prochain live d'ailleurs, j'en profite, ce sera mardi à 18h30. Voilà, ce sera un live de renfo orienté un peu gainage. Et ensuite, dans les prochaines semaines, il y aura pas mal de petites vidéos qui vont arriver sur de la PPG, de la préparation physique spécifique pour la course à pied, des petites routines du matin, etc. etc. Voilà. Allez, on va commencer par l'échauffement. Buvez un petit coup et puis c'est parti. Toujours la gourde qui fait du bruit. Allez, je vais lancer le timer. Donc, on va partir pour 10 minutes d'échauffement. Je vais vous montrer les exercices à chaque fois, d'accord ? Allez, c'est parti. Donc, premier exercice qu'on va faire pour s'échauffer, salutation au soleil. Je vais chercher avec les bras vers le haut et je descends. Je remonte et je recommence. Allez, on s'échauffe doucement. Voilà. Soufflez bien quand vous descendez. On inspire. Allez, on souffle bien. Encore 20 secondes. Allez, prochain exercice, même chose, on va chercher vers le haut, on descend, et cette fois-ci, on vient passer en position de pompe, et on remonte. On va chercher vers le haut, on descend, soufflez bien, et on passe en position de pompe. Allez, hop! Allez, encore 30 secondes. Allez, on souffle bien, on descend et on passe en position de pompe. Et on revient. Pour ceux qui manquent un peu de souplesse comme moi, c'est difficile, mais c'est fini. Allez, prochain exercice. On fait un petit saut, déplacement latéral. Un petit saut, déplacement latéral. Allez. Et on met un peu de vitesse. Allez. Allez, allez. Super.
Allez, on a un peu de vitesse, il reste 30 secondes. Super. Allez, 5 secondes. Super. Allez, prochain exercice. Exercice de Kenyan pour ceux qui font de la course à pied, qui sont déjà allés au Kenya ou qui ont déjà vu des vidéos de Kenyan. On saute sur place et on fait des montées de genoux en sautant sur place. Allez. Et on est tranquille, on saute. On fait travailler le cœur. C'est bien. C'est un exercice qui demande un petit peu de coordination, mais c'est bien pour s'échauffer ça. Allez, encore 20 secondes. Super. Allez, dynamique. On saute sur place. Allez, prochain exercice, on se met en position de pompe. Allez. Et on monte les genoux, doucement d'abord. Allez, on met un petit peu de rythme. Encore 30 secondes. Allez, doucement. Super. Allez, un petit peu de rythme. Allez, prochain exercice. On va passer en position de gainage. Allez, position de gainage. Et on reste en gainage. Et allez, on souffle bien. On ne lève pas trop les fesses, d'accord? Je ne veux pas en voir non plus complètement allongé comme ça. On reste bien dans l'alignement. En position de gainage. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise sur la position de gainage, restez, hein, continuez à faire l'exercice, il reste 27 secondes. Vous pouvez le faire sur les coudes. D'accord ? Si jamais vous êtes vraiment fatigué ou pas à l'aise du tout, vous avez mal au dos, vous pouvez le faire sur les coudes et sur les genoux. Voilà, c'est un petit peu plus facile. Allez, pour les autres, on tient. Allez, position de pompe. Et on passe debout. Super. Prochain exercice qui demande un petit peu de coordination, ça s'appelle le breakdance twist. On se met en position de bear walk, ok, marche de l'ours, et on vient lever une jambe, lever le bras et passer la jambe. Et on tourne. Allez, et on fait ça doucement. Je vais le faire face à vous, enfin dos à vous plutôt pour que vous voyez bien le mouvement. Voilà. Allez, et on tourne. Hein. Il reste 30 secondes. Allez. Allez, encore 15 secondes. Super. Allez, position debout, on fait les squats, les bras vers l'avant, je descends les fesses bien en arrière, d'accord? Allez-y, c'est parti, je monte la position, je descends et je remonte, d'accord? Allez. Allez, il reste 30 secondes encore. Allez, 30 secondes de squat.
Allez, on a un petit peu de rythme sur les 15 dernières secondes. Super. Allez, prochain exercice. On part en position de pompe. C'est parti. Allez, on se met allongé et on relève le haut du corps. Je plante mes pieds, chien tête en bas. Allongé. Je lève le haut du corps. Je plante mes pieds dans le tapis, chien tête en bas. Position de pompe, allongé. Et on remonte la tête. Allez, et on enchaîne. Allez, super. Super. Allez, dernier exercice. On finit de faire monter le cœur, on va faire un petit peu d'intensité, d'accord? Donc on est sur place et on va vite. Allez, c'est parti, 50 secondes. Allez, 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 allez. Soufflez bien. Allez, soufflez bien. Je veux quelque chose de dynamique, hein. Vous voyez, les genoux ils sont un petit peu pliés. Et il faut que ça pulse. Allez, allez, 30 secondes encore. Allez, 20 secondes, on ne ralentit pas. Allez, super. 8, 7, 6, 5, allez. Super, allez, c'est fini pour l'échauffement. Buvez un petit coup. Et après, je vous explique la séance. Ouais, cette gourde, elle fait du bruit, mais l'eau est très très bonne. C'est pour ça que je la garde. Bon, ça va? Tout va bien? Pas trop chaud? N'hésitez pas à me le dire là dans le chat. Si vous avez si vous avez chaud, si vous avez soif, vous êtes de vous arrêter. On fait une petite pause. Non, je déconne, on fera pas de pause. Et ben, vous abstiendrez de boire, c'est tout. Alors, si vous avez chaud comme moi, c'est normal. On est sous les toits. Il fait très très chaud, j'espère que chez vous il fait un petit peu moins chaud, mais sinon bah, ça va dégouliner parce que ça c'était que l'échauffement. Donc maintenant normalement vous êtes bien chaud. Donc je vous explique la séance, je vous réexplique la séance. On va faire 5 exercices, d'accord, qu'on va répéter à chaque fois. 40 secondes, 20 secondes de récup. On fait les 5 exercices, ça fait 5 minutes. Une fois qu'on a terminé ces 5 exercices, on a une minute de récup. Pour ceux qui sont trop fatigués, pour qui c'est très difficile, vous ferez une vraie récup en sautant sur place. D'accord? Je remontre les petits sauts sur place. Vous ferez comme ça. OK? Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, vous ferez du gainage. Donc, le gainage, position de gainage, on le fera en statique. D'accord? Pas de... Donc, gainage sur les coudes. Donc, il y aura une minute de gainage entre chaque cycle. D'accord? Ensuite, les 5 exercices, je vais vous les montrer et je vais présenter des variantes. Oui, effectivement, Florence Chaleur, oui, tout à fait. Je vais vous présenter des variantes. Ah, attendez, ça, il faut que j'arrête ici. Des petites secondes, voilà. Je vais vous présenter les exercices et les variantes. Donc, le premier exercice qu'on va faire, ça va être des squats sumo avec un petit saut. Il y a beaucoup de sauts, en fait, dans la séance. Donc, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les sauts, bah, du coup, je vais vous montrer des variantes sans les sauts. Donc, squat sumo, je fais mon squat et je vais mettre une impulsion. D'accord? Donc, je vous montre, c'est comme des jumping jacks. Un petit saut, je reviens, un petit saut, je reviens, squat sumo. Voilà. Ça, c'est le premier exercice. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les sauts, d'accord? Vous faites squat sumo et vous remontez. Squat sumo et vous remontez. Attention aux genoux, bien sûr. Vous allez voir sur les différents exercices.
Les genoux travaillent beaucoup, donc si jamais vous avez des douleurs, évitez de faire ce genre de séance, d'accord? Allez-y mollo, parce qu'on va travailler avec les genoux. Déjà sans les sauts, c'est mieux, mais il y a quand même un gros travail qui va se faire du particulier. Ça, c'est le premier exercice. Une fois qu'on a fait cet exercice, on va passer au deuxième. Le deuxième, il est simple. Je pars d'en haut, je me mets en position, burpees, je fais des pompes, j'en fais 4. Une fois que j'ai fait 4 pompes, je me lève, je saute et je fais des montées de genoux et j'en fais 4. 1, 2, 3, 4. Et je repars. 1, 2, 3, 4. D'accord ? Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les pompes, vous faites les pompes sur les genoux. Voilà. Et si c'est trop difficile, vous faites moins de pompes. Vous en faites que 2, par exemple. Et là, vous repassez en position. Vous sautez. Si vous avez mal au genou, vous ne sautez pas et vous faites juste les montées de genoux. D'accord ? Voilà. Cet exercice, il va être difficile, surtout pendant 40 secondes. Mettez-y bien l'intensité pour faire travailler le cardio. Troisième exercice. Là aussi, attention aux genoux. D'accord ? Donc, je vous montre la variante normale. On va faire des fentes sautées. Fentes sautées, je vais en position de chevalier pour me faire adouber. Et je vais mettre un petit saut. Voilà. Et je reste bien gainé. Alors, pour ceux qui sont fragiles des genoux, vous ne faites pas cet exercice. Cette séance est un peu difficile pour vous. Il y a une variante que vous pouvez faire de fente sans les sauter. D'accord ? Vous les descendez juste en arrière. Voilà. Ok ? Donc, soit vous les descendez en arrière, soit vous les faire en avant. Ça dépend comme vous voulez. Sans les sauter. Le petit saut rajoute quelque chose, mais ça fait beaucoup travailler au niveau articulaire. Donc, faites-le que si vous êtes confiant à ce niveau-là. Ok ? Prochain exercice. On va commencer par un jumping jack. Donc, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Je descends. Position de pompe. Et je remonte. 1, 2, 3, 4. Je descends. Et je remonte. Voilà. Et enfin, le dernier exercice. Cette fois-ci, vraiment pour les bras. On va travailler à la fois les bras, à la fois le dos et à la fois les ischios, vous allez voir. Attention aux ischios, pareil, ceux qui ont des douleurs ou qui ont des crampes pendant l'exercice, vous ralentissez le rythme, d'accord ? Donc, je me mets en position de pompe, je descends, je lève bras et jambes et je viens toucher main droite, pied gauche. Je me remets en position de pompe, je me lève, je descends et j'inverse, main gauche, pied droit, pendant 40 secondes. Ok ? Voilà, bon. Ceux pour qui c'est un petit peu dur, les pompes sur ce dernier exercice, c'est pareil, vous pouvez les faire sur les genoux, d'accord ? Ça marche très bien aussi. Donc vous mettez sur les genoux, je descends, je viens chercher, je monte, je descends, je viens chercher. Ok ? Allez, on va commencer dans 10 secondes, un petit coup d'eau et on y va. Allez, vous êtes prêts ? Allez, donc je rappelle, premier exercice, squat sumo avec un petit saut. On y va, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez. Allez, on descend bien pour faire des bons squats sumo. Allez, 12 secondes. Allez, super. Allez, récup. Prochain exercice, burpees, pompe. Je me relève, je saute et je fais les montées de genoux. Allez, on repart dans 12 secondes. Allez, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez. Ah.
Allez, allez, on relâche rien. Super. Allez, prochain exercice, fente sautée. On repart dans 10 secondes. Allez, on se met déjà en position. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, super. Allez, reste 25 secondes. Allez, je veux vous voir à fond là. On lâche rien, d'accord? C'est difficile, on a fait le seuil avant, mais c'est pas grave. Allez, on continue. 15 secondes. Super. Allez, prochain exercice, jumping jack. Et après, j'avance. On repart dans 12 secondes. Soufflez bien. Allez, 4 jumping jack et je descends. Et je remonte. Allez. Allez, 15 secondes. Allez, on met la vitesse. Super. Allez, soufflez bien. 20 secondes. Prochain exercice. Push-up Superman et on touche la jambe. On alterne bien à chaque fois deux mains et deux pieds. Allez. Vous êtes prêts? Soufflez bien. 3, 2, 1. Allez, position bonne. Je descends et je viens toucher. Je remonte. Je descends et je viens toucher. Allez, encore 20 secondes. Allez, super. 3, 2, 1. Très bien. Allez, on est en repos. Pour ceux qui veulent faire le repos parce qu'ils sont fatigués, où c'est un petit peu difficile, on trottine sur place pour les autres positions de gainage, d'accord? Allez, il reste 45 secondes. Allez, on voulait du cardio, c'était trop facile, et voilà, on y va. Allez, encore 25 secondes. Pour ceux qui veulent, on trottine sur place, on repart. Allez, relevez-vous du gainage, on se met en position. On va partir en squat sumo. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on va chercher le sol avec la main. Encore 30 secondes. Super. Allez, 10 secondes, on lâche rien. Super, 20 secondes de repos. Buvez un petit coup hein, pour ceux qui veulent. On repart dans 13 secondes, burpees, pompe, montée de genoux.
Allez. Un. Allez, c'est parti. Allez, montez du genou. Allez, 10 secondes. Allez, fente sauter. Je rappelle pour ceux qui ont mal au genou, on les saute pas, d'accord? On fait comme ça, voilà. Allez, départ en 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, pour ceux qui ont mal aux jambes, continuez, hein. Pour ceux qui ont mal aux jambes, on les fait doucement, comme ça. D'accord, mais on enchaîne. Soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Si vous venez poser le genou, c'est plus facile. Si vous avez vraiment mal au genou, vous ne posez pas trop. Vous restez assez haut. D'accord? Voilà. Allez, 8 secondes encore. 3, 2, 1. Super. Allez, prochain jumping jack, bear walk. C'est pendant 14 secondes. Ça transpire là, normalement. On met le tapis. 3, 2, 1. Allez, 3, 4, je descends. Allez, et je reviens. 1, 2, 3, 4, je descends. Et je remonte. 2, 3, 4. Allez, mettez du rythme là-dessus. Allez, 12 secondes. Allez, super. Prochain exercice, les push-ups. C'est le dernier de la deuxième série. Profitez-en pour voir, il n'y a pas beaucoup de rythme. Il fait chaud. Il fait chaud. Allez, 4. 3, 2, 1. Et je descends et je vais toucher. Allez, 17 secondes encore. Super. Allez, récup. On saute. Et oui, c'est actif, c'est cardio aujourd'hui. On a fait deux séries, il reste trois. Allez, gainage, gainage, gainage. Pas de bassin relevé, on n'est pas allongé en gainage, c'est pas la page non plus. On reste gainage, allez. Et on rentre bien les abdos, d'accord? Allez, 30 secondes encore. 30 secondes de gainage. Et là, vous entendez la voix de Laurent, le coach, qui vous dit « Souris au gainage, comme tu souris à la vie. » Ou l'inverse, je ne sais plus. Allez, 15 secondes encore. Gainage. Allez. Pour ceux qui sont en gainage, là, plus de 10 secondes. Allez, allez, on se relève. On enchaîne direct. 2, 1. Allez, c'est parti. Squat sumo avec le petit saut. Et oui, c'est là qu'on revient d'avoir mangé un gros bol de Chocapic avec du lait. Il y a à peine une demi-heure. C'est là qu'on regrette. Allez, 20 secondes.
Super. T'as bu un petit coup. Après, c'est les burpees. Ça fait mal, les burpees. Très prêt. Allez, c'est parti. Encore 14 secondes. Super. Allez. Exercice suivant, fin de sauter. Je crois que celui-là c'est le plus dur, musculairement parlant. Alors on lâche rien. Allez. Allez, c'est parti. On reste bien stable. Allez, allez, on continue. Allez, c'est dur. Il fait chaud. Mais on n'est pas tout seul, on le fait ça en équipe. Allez, 20 secondes encore. Allez, allez, jusqu'au bout. Et on saute. Bien dynamique. Allez, bien dynamique. Allez, buvez un petit coup, on repart dans 18 secondes. Soufflez bien. Soufflez, soufflez. On pense à la fin du confinement. Allez, c'est bientôt terminé. Jumping jack. Allez, c'est parti. 4. Allez. Allez, on met du rythme. Allez, 10 secondes. C'est quoi 10 secondes? C'est rien. Super. Allez, dernier exercice. Les push-ups. Et on a fait 3 séries. Plus que 2. On souffle bien, il fait chaud. C'est bonheur. 3, 2, 1. Allez, je descends et je vais chercher. Je monte. Dynamique. Allez, 25 secondes encore. Super. Allez, on saute sur place. La récup. Pour ceux pour qui c'était pas assez dur. Position de gainage. Allez, c'est le gainage, hein, la récup. C'est pas de la récup en fait. Allez, on perd toute la sueur. Des bières, des pizzas qu'on a mangées, elles sont en train de sortir. Allez, on se gaine, on rentre bien les abdos, pas de fesses levées. On est bien dans l'axe. Et pour les os, on se potine. Encore 25 secondes. Allez. Ah, c'est bon de trottiner. Allez, 13. Allez, ceux qui sont en gainage, on repasse en position debout. Et on est reparti. Quatrième série. Allez, squat sumo et je saute.
Allez, 30 secondes encore. Allez, super. Je descends bien les fesses là. Je pense au summer body. Et là. Super. Allez, un petit coup. On repart en 18 secondes. Allez, on respire. Et c'est parti pour les burpees. 3, 2, 1. Allez. Allez, on saute. 1, 2, 3, 4. Et je redescends. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez. Encore 20 secondes. Si on pratique, c'est normal. Allez, jumping jack. Non, c'est fente sauter, pardon. Soufflez bien. Allez, pour ceux qui ont mal, je rappelle, vous descendez sans descendre trop bas, d'accord? Si vous descendez trop bas, ça va travailler fort sur les genoux. Pour les autres, vous voulez sauter vos fentes. Allez, et je saute. Et je reste bien dynamique. Et on essaie de bien travailler avec les bras, d'accord? Les bras dans l'axe, ça m'aide. Les bras m'aident à sauter. Allez, on continue, 10 secondes. Vous voyez mes bras, ils me permettent de travailler, de m'équilibrer. Super. Super, allez. On récupère, on souffle bien, allez, on y est presque, jumping jack, on met du rythme là-dessus, hein. Allez, 1, 2, 3, 4, hop, allez, je remonte, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. Allez, encore 10 secondes. Voilà. Et dernier exercice de cette série, les push-ups. Allez, 10 secondes. On lâche rien. Allez, c'est super ce que vous faites. C'est dur, mais c'est super. 2, 1. Je descends et je vais chercher. Allez, c'est bien. Encore 27 secondes. Si vous êtes fatigué des pompes, vous les faites sur les genoux. Hein. Hop. Je m'embrouille, moi. Allez, ils sont sur place. Dernière série, on en a fait 4, il en reste une. Et bien entendu, pour les courageux qui ne sont pas fatigués, la récup, c'est du gainage. Allez, et je vous pars au gainage. Ça gaine, ça rentre les abdos. Mes fesses, elles sont alignées. Mes abdos sont bien rentrés. Et je souffle.
Allez, encore 25 secondes à tenir. C'est rien, 25 secondes. C'est rien du tout pour les autres. On saute sur place, on continue à sauter sur place. On récupère. Il reste une série, on va finir. Enfin, avant la récup. Allez. Allez, allez, ceux qui sont en gainage, 10 secondes. 5 secondes, allez, on se remet en position. Et on est prêt à repartir pour les squats sumo. Allez, je saute. Allez, dynamique. Allez. Et pour ceux qui sont très en forme, on met du rythme. Super. Et je descends bien les fesses. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Super. Un petit coup. Très bien. 40 degrés, mais c'est pas grave. Allez, les burpees, 4 pompes, 4 montées de genoux. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Hop, je saute. 1, 2, 3, 4. Allez. Allez, 15 secondes encore. Super. Allez, fin de sauter. On récupère. Ça devient dur. C'est normal. C'est la dernière série. Soufflez bien. On transpire, c'est normal. Ça fait du bien. Allez, allez, chevalier. En position de chevalier. Et on saute. Allez, super. C'est dur, c'est normal. Allez, allez. On lâche rien. Allez, allez. Jusqu'au bout. C'est dur, on y va. Il reste 15 secondes. Pour ceux qui ne sautent pas, je m'applique bien les mouvements. D'accord? Je souffle bien. Allez. Pour les autres, on continue de sauter. 3, 2, 1. Ouh, c'est dur. Allez. Jumping jack. 3, 2, 1. C'est parti. 3, 4, allez, je descends et je remonte. 2, 3, 4, allez, on met du rythme sur ce lieu. 3, 4, c'est la fin là, allez. 2, 3, 4. 2, 3, allez, 12 secondes, on lâche rien. Dernier exercice, et c'est fini. Les push-ups. Allez. Soufflez bien. 3, 2, 1. Allez, position de bon. Je descends et je vais toucher. Allez. Allez, encore 30 secondes. On est au bout, là. On met de la vitesse. Allez, on pousse bien. Allez. Dix secondes. 3,
Super. Ouh. Bravo. Allez, buvez un coup. Et on fait la récup. Allez, on enchaîne. Comme ça, on accompagne le cœur. Allez, petit saut sur place. Voilà, hein, c'est bientôt l'heure d'aller manger. Je pense que plus personne n'a faim, là. J'ai surtout soif. Allez, on trottine tranquillement. Voilà, on finit de transpirer. Ouh, voilà, je saute sur place, hein, vous voyez, petit saut de boxeur, comme si on faisait de la corde à sauter, mais sans les bras. C'est vraiment fait juste pour la récup. Voilà. Super. Allez, je fais bien descendre le cœur, je me relâche. Allez, je m'arrête. Salutations au soleil. Et je descends. Expirez bien quand vous descendez, d'accord? J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Allez, on se remet en position normale debout. On va faire quelques inspirations et expirations profondes. Je commence par vider entièrement les poumons, d'accord? Donc j'expire le plus possible en soufflant par la bouche et ensuite je vais inspirer en commençant par le ventre, puis les épaules, puis la cage thoracique, puis les épaules. Allez, je souffle. Et j'expire pareil. Et je souffle. Et voilà. Voilà, une bonne séance cardio. Bon, je pense que là, c'était un petit peu plus difficile que les autres fois. Donc, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je rappelle le petit pouce sur la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner hein, à la chaîne. Donc, il y aura un prochain live mardi. Voilà, mardi, ce sera orienté gainage dynamique, je pense. Je ne vais pas encore faire la séance, petite surprise potentiellement, mais voilà, sûrement gainage dynamique. Et puis, voilà, donc maintenant, vous êtes quoi, passer un bon dimanche tranquille dans le canapé, à vous reposer avec une bonne bouteille d'eau pour bien récupérer. Et à recommencer demain. Voilà, allez, bonne journée, bon dimanche, ciao. Et merci à tous, et bravo surtout.